Allez, tout de suite, sans plus attendre, nous allons jouer à la bonne mine. Et c'est Hervé qui s'y colle. Et mesdemoiselles, je vous souhaite une bonne soirée. Titit, à tout à l'heure. Hervé pour le premier deal. Salut Hervé. Bonjour Vincent. Soyez le bienvenu. Hervé, Bill, Hervé. Bonjour Hervé, ça va Hervé? Ça va. Qu'est-ce que vous faites dans la vie Hervé? Je suis électricien. Ouais. Ah, vous avez pris le jus, vous. J'ai mis les doigts dans la prise avant de venir. Vous êtes dans quel coin de la France? La région parisienne. Je vous propose de jouer avec un jeu qui a pour rapport l'électricité. Hein? Oui. On se la fait? Oui. Allez, faites entrer les mines du Big Deal. Reculez-vous un peu. Hervé, venez ici. Hervé, voici Monseigneur la pince. Vous avez... Jeu de mots. Ici, deux fils qui relient le détonateur à la caisse de dynamite. C'est de la dynamique. Alors, à vous de savoir lequel des deux fils il faut couper. Oui. Pour faire en sorte que quand je vais appuyer sur le détonateur, ça ne fasse pas péter la caisse, donc le cadeau qui est à l'intérieur, et que donc le cadeau soit à vous. C'est ça, Bill? Tout à fait, Vincent. Je suis merveilleux. Tu es brillant, tu es génial, tu es divin. Et je propose, d'un mot, d'un geste, de me présenter aux élections présidentielles les prochaines qui arrivent. Et... le premier des programmes que je vous propose est d'abolir la connerie, donc de me suicider en premier. Allez, on y va? On y va. On y va. Vous allez couper lequel? Je vais couper le rouge. Il coupe le rouge! Est-ce bien raisonnable? Pan! Bien, reculez-vous un peu. Wow! C'est gagné! Oh, c'est gagné! Et qu'est-ce qu'il y avait dans la boîte, Vincent? Moi, je sais! Le cadeau, il est dans la soucoupe. Voilà, oui, vous avez gagné un combiné télévision magnétoscope, c'est formidable, c'est fantastique. Et vous avez ça vaut 4 990 francs, ça commence bien. Il y a un bleu, il y a un rose, lequel allez-vous couper? Je vais couper le rose. Il coupe le rose sur le numéro 2, écartez-vous un peu et... c'est gagné! Tout embarqué, c'est pas possible. Et regardons dans la soucoupe ce qu'il a gagné. Un magnifique ordinateur portable d'une valeur de 14 857 francs. Oh non, 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 c'est trop, c'est beaucoup trop. Bien, écoutez, il y en a encore deux. Et vous avez réussi aux deux premiers. Pour l'instant, vous avez gagné pour combien, Bill? Eh bien, écoute, pour 14 857 francs et 4 490 francs, ce qui fait, grosso merdo, grosso à peu près, 19 347 francs, Vincent. Allez, pratiquement deux patates. Alors, maintenant, soit on renonce aux 20 000 balles et on prend le rideau, soit on garde les 20 000 francs, on renonce au rideau et on continue. Et à la fin, on a réaccès au rideau. Je vais continuer, Vous continuez. Regardez ce qu'il y avait derrière le rideau. Ah là là, comme c'est dommage, vous avez perdu un séjour à New York. New York. Pendant 5 jours, vous auriez découvert Manhattan, l'observatoire du World Trade Center et la tour de Harlem. Et ça valait 14 230 francs. Ah bah oui, oui, mais vous l'avez perdu, hein. Vous avez gardé vos cadeaux. Bah, très bien, très bien. Hervé, il faut en couper un autre maintenant. Sur le troisième bidon, qu'allez-vous couper? Le jaune. Tu fais ce que tu veux. Il va couper le jaune. Attention. Attention. Ah, c'est perdu. Ah, c'est perdu. Et dans la boîte numéro 3, voilà ce qu'il a perdu. Ça apparaît dans ma soucoupe magie de l'électronique. Une parure de bijoux formidable, fantastique, à 8 450 francs. Il vient de la perdre. Allez, un fil vert, un fil blanc. Je vais couper le vert. Vous faites ce que vous voulez, Hervé. Hervé a coupé le fil vert. Attention. C'est gagné! Alors, moi, dans ma soucoupe, il y a un lot de brochettes et ça vaut 179 francs. Bien. Alors, il y en a pour 19 526 francs, quand même. Allez, encore deux patates. Maintenant, le choix est difficile. Et il est même voire cornélien. Qu'allez-vous faire de ces 19 000 et des brouettes? Non, je crois que je vais les garder. Attention.
Attention. Le temps que vous choisissiez, je vais faire péter la boîte 1, la boîte 2 et la boîte 3. Vous allez voir, ça va faire pouf, 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 pouf. Regardez bien, regardez bien, regardez bien. Extraordinaire! Mesdames et messieurs, voici Merlin Lagaffe. Merci. Oh, le sang, j'en ai partout. Appelez les pompiers, faites bon. Quelque chose. Alors, quoi? Oh, ça fait prétentieux, là. Pardon. Ah, vous me faites faire n'importe quoi. Allez, on va encore un petit coup. Alors, René, tu m'entends? Qu'est-ce qu'on fait de ces 20 000 francs? Oh, je crois qu'il faut savoir être raisonnable, je vais les garder. C'est vrai? C'est vous qui voyez. On les garde? Ouais. On prend pas le rideau? Non, non. Mais ça va encore pour l'instant. Regardez ce qu'il y avait derrière le rideau. Bien joué, vous avez perdu la voiture. Une superbe voiture à 69 050 francs. Que vous aussi, chers téléspectateurs, vous pouvez essayer de gagner en faisant le 36-15 code TF1 ou en composant le 08 36 66 10 00. Alors Hervé, un conseil, levez la main droite et dites au revoir la voiture. Au revoir la voiture. Hervé, bon, Hervé. C'est pas grave, il y a une autre voiture au Big Deal, final. Hervé, vous passez par l'escalier, mes assistantes sont là-haut et vous attendent pour la suite Merci, des Bill. Événements. Merci, rien, Bill. Hervé. On va enchaîner avec Valérie qui a envie de chanter. Valérie se retrouve au top 3. Bonjour Valérie. Bonjour Vincent. Vous êtes charmant, Valérie. Bonjour. Merci, vous aussi. Oui, ça je sais. Vous connaissez Bill. Bill. Bill, Valérie, Valérie, Bill. The night. Vous êtes fiancée? Je vis en concubinage. Ouais. Très bien. Je vous propose de vous proposer une chanson. Oui, bah si je... vous voulez la tenter. Hein, oh, mais si je veux la tenter. Ah, bah ça, comme vous voulez. Hein. Ah, bah ça, vous voyez. Bah, je vais chanter un morceau d'Alexandrie, Alexandra. D'accord. Je vais faire les Claudettes, moi. Hein. D'accord. Les sirènes du port d'Alexandrie chantent encore la même mélodie. Oh, oh, la lumière du phare d'Alexandrie fait naufrager les papillons de ma jeunesse. Y a un bordel là-dedans. Bravo! Allez, donnez-vous la peine de m'accompagner afin d'accueillir la Miramucho! Salut tout le monde, les gens! Bonjour! Salut les gafettes, salut Bill, bonjour madame. Ça va? Oui. Ramucho, quand vous arrivez là, ça fait... Oh là là, on pense un peu à Cléopâtre, hein, quand vous arrivez avec les esclaves qui tirent et tout. C'est pas à cause de mon nez qui est tout fin? Non, alors je permets pas, mais... Voilà, je me prépare. Voilà, qu'est-ce que tu fais, Vincent? Je m'assois. En ce moment, je vais pas bien dans ma tête. Je deviens fou, toi, comme ça. Parce que je deviens fou, c'est de pire en pire. Tu vois, regarde, parce que j'aggrave mon cas. Il est bien. Il faut faire quand même le jeu. Ouais, tout à fait. Il a neigé sur Yesterday. Hein? Oh là là! C'est impressionnant, Vincent, elle a trouvé. Là, il n'y a pas photo, hein? Il n'y a pas photo. Il a neigé sur Yesterday. Bien. Indéniable. Oui. Allez, rappelez-moi votre prénom. Valérie. Valérie. Choisissez un cadeau, Valérie. Clarisse. Oui, bah, c'est pas un cadeau, hein? Oh, si, Vincent, c'est un très joli cadeau, Clarisse. Qui est ce travers? Et voilà, vous l'avez gagné, magnifique séjour. Vous allez partir pendant 8 jours dans un des très plus à Crown Hotel à Londres. Super.
Ah, c'est chouette ça, hein, regardez. Oh, oui, merci, Bill. Vous verrez des gens comme ça, des petits garçons qui dansent, un monsieur qui fait de la musique tout seul, oh, des gens qui parlent, oh, une jarre géante, c'est formidable. Et la valeur de ce lot, 18 330 francs. Merci. 18 000. Je vous en prie, Valérie. Deux patates déjà. Mais j'avais envie de faire plaisir à Valérie, car elle est belle. Oui, bah, merci, ça, pas peine de le dire, hein, tout le monde l'a vu. Hein. La première. Una otra. Mais c'est fini, je fais ça, je crois que c'est à moi, c'est jamais à moi. Ça vous rappelle, c'était le temps. Allez. On n'a pas tous les jours 20 ans. Oui, c'est ça. Merci. Bien joué. Mais je soupçonne le public d'avoir soufflé. Hein. Oh là 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 là. Le public a soufflé, ça hein, mais je l'accorde. Ça souffle, hein. Comment alors, Rosa, alors toi, c'est pire que tout, hein. Et l'autre, non, ça, elle n'a pas soufflé, le public, non. La public ne souffle jamais, le public ne souffle pas. Non, d'abord, le public ne souffle pas, parce que s'il souffle, il postillonne, alors il ne souffle pas. Qu'est-ce qu'on fait, Valérie? Rosa, tiens, bon, parlons de Rosa. Voilà, viens que je te souffle dans la trompette, là. Voilà, allez, allons-y. Eh oui, vous l'avez gagné, c'est fantastique. Eh oui, le plateau garni de Bill, mon plateau, avec mes fruits secs, ça vaut 200 francs. Vous voyez, quand le public souffre, on a toujours ce qu'on mérite. Voilà, alors ça, hein. Oh, ça. Allez, ma chérie, voilà. C'est pas gentil, Bill. Non, mais je suis assez d'accord avec cet état d'esprit. D'ailleurs, ce n'est pas parce que vous êtes une blonde aux yeux bleus que je vais me déshabiller pour vous. Allez, on enchaîne. Chut, soufflez pas. Oh, ça me dit quelque chose. C'est très difficile, ça. Dansez maintenant. Dès que ça souffle plus, on est embêté, hein. Ah, je me fais disputer en plus. Hein, quand le public il souffle pas, c'est plus dur, hein. Alors, on est venu dans une émission pour s'amuser, puis finalement on triche, hein. Mais non. T'as ton père quand tu vas rentrer, t'as. De toute façon, je ne peux pas l'accorder, ça a été dit après le gong. C'est danser maintenant, c'est ça? Oui, c'est ça, bien sûr. Qu'est-ce qu'on fait? Il y en a pour combien, la ville? 18 533, mon ami. 18 530 francs, mon ami Valérie. Qu'est-ce qu'on fait de ça? Il y a un voyage en Angleterre. Il y a un voyage en Angleterre et un plateau. Et c'est plus. Un plateau gardé de ville avec des fruits secs. Le rideau. On prend le rideau? Ouais. Rideau! Oh là là là! Vous avez gagné un superbe bateau pneumatique avec son système de mise à l'eau. Et en plus, le moteur fait 30 chevaux. Et en plus, il y a des banquettes pour s'asseoir dedans. Et en plus, et ça, c'est génial, il flotte sur l'eau. Ce qui est le principe du bateau, d'ailleurs. Ça vaut 37 250 francs. Oula. Allez, pas le casser. Oula, ça y est. Non, bah, tu es en train de casser le lot de la candidate. Ce n'est pas très joli. Combien ça vaut, Sabine? 37 250 francs quand même, le bateau. Oh, c'est bien, c'est bien. Comment ça, c'est bien? Merci, c'est génial. Valérie, on se retrouve tout à l'heure. On s'embrasse encore un petit coup. Hein, je vous propose de passer par l'escalier. On se retrouve tout à l'heure au Big Deal. D'accord, à tout à l'heure. Non, toi, merci, tu peux pas. Tu aggraves ton cas et tu finis dans ta chambre. D'accord. Salut, mon bon Ramuccio. Salut, Vincent. Ramuccio, qu'on retrouve tous les soirs à 21h au Blanc Manteau sous le nom de Bend. On enchaîne. Nous allons jouer avec Didier et on va en profiter pour lui faire laver ma bagnole. Tiens. Allez, Didier, au pied. Didier. Salut, Didier. Ça va bien? Ça va. Didier, Bill, Didier. Bonjour, Bill. Enchanté, Didier. Bonjour, Didier. Didier, vous nous arrivez d'où? Hermont. Vous faites quoi dans la vie? Sans profession. Hein. Très bien. J'espère pour vous que vous allez gagner un maximum, histoire de voir venir l'avenir d'un œil plus enjoué. Je sais de source sûre que vous avez une voiture. Oui. Et que vous aimez beaucoup votre voiture. Oui. Et attachement tellement grand que vous l'entretenez merveilleusement. Ah, régulièrement. Je vous propose de voir un petit peu comment vous entretenez une voiture en entretenant ma voiture. Voici ma voiture.
Voilà. Voilà. Le frein à main. Le frein à main. Oui. Oh là là. Il y a un frein à main par là. Ah ben non, il était même pas mis le frein à main. Merci Lynn. Qu'est-ce que c'est comme voiture? Cadillac. Ouais. C'est une Cadillac Fleetwood. C'est une Fleetwood. De quelle année? Aucune idée. Eh bien merci, au revoir le rideau. Bien, le jeu est très simple. Je vais vous donner... Franck, c'est ça? Non, Didier. C'est bien ce que je disais, Didier. Didier, je vais vous donner... Hop, je vais me pourrir avec ça. Je vais vous donner deux éponges. Regardez bien Didier. Voilà. Vous avez deux éponges. Et il va falloir le plus rapidement possible laver cette voiture, car sous le blanc d'Espagne, il y a des stickers. Et sur le sticker est inscrit l'objet du cadeau que vous venez de découvrir. Il y en a plein partout. D'accord. À vous d'être rapide, car Bill, il y a combien de temps pour cela? Oh, juste une minute trente. Alors une minute trente. C'est parti, quand vous voulez. Et voilà. Et tu frottes, frottes, frottes cette voiture qui te plaît. Cette voiture qui te plaît. Ah, allez-y, non, mais ouais, en gros, voilà. De toute façon, vous les verrez, les stickers, hein. Là où il y a un sticker, vous le voyez, hein. Voilà, vous voyez, par exemple, là, il reste du blanc d'Espagne, là, regardez, là, insistez un peu, là. Ah, il n'y en a pas, là, il n'y en a plus, là. Allez, il est en train de se mettre minable, là. Allez. Oui, Franck, une housse de voiture. Ah, oh, pas mal, là. La housse de voiture. En fait, c'est une paire, et ça vaut 459 francs, Vincent. Très bien, une paire de housse. Il y en a encore un là. Voilà. Il y en a un deuxième. Attention, là. Vincent, ici, dans quelques secondes. Un autoradio TV. Oh là là, il l'a trouvé top. 45 top, secondes, si arrête, tu veux pour arrêtez, toi. Arrêtez. Eh bien, l'autoradio télé, parce que c'est un autoradio, mais en plus, il fait télé. Tu peux regarder la télé dans ta voiture. Mais il voilà. Faut mettre le frein à main, hein, parce que sécurité, hein. Ouais. Pas de ça chez nous, hein. Je vous explique. Ça vaut 12 990 francs. Bon. 12 990 francs, plus les 450 balles de housse, on est à 13 000 et des brouettes. Maintenant, si vous voulez, moi je vous donnerai un truc pour regarder la télé sans que le frein à main soit serré. Si, vous achetez un platane directement, vous mettez la bagnole dans le platane et vous pouvez regarder là. Qu'est-ce qu'on fait? Là, il y en a pour plus de 12 000 francs. On continue ou on laisse tout tomber, on prend le rideau? Il reste 44. Vous continuez? Ouais. L'autoradio TV. C'est perdu si je continue? Non. Ah non, il est gagné. Hein. Si vous arrêtez maintenant, il est perdu. Si vous continuez, il est gagné. Ouais, je vais continuer. Vous continuez, regardez ce qu'il y avait derrière le rideau. Oh là là, il a perdu le séjour que je lui offrais pendant 14 jours. Il serait allé chez les Ewing au Texas. Oui, 25 660 francs. Vous auriez vu les cowboys du Texas. Vous auriez vu le Nouveau-Mexique. Vous auriez vu ce magnifique moulin, cette montagne. Oh, le bel homme. Oui, vous auriez vu tout ça sur la piste des Comanches. 25 660 francs. Il vous reste 45 secondes pour essayer d'en découvrir un maximum. Attention, je dis top, c'est reparti. Allons-y. Allez, ça frotte. 40 voilà, un caméscope. Ah, oh là là, le caméscope avec son caisson et une bombe Vincent. De poliche. 6 980 francs, la bombe de poliche. Ah là là, ça vaut 80 francs, je m'en sors bien. Une paire de lunettes de soleil. Ah, oh, bah oui, ça, je peux lui offrir, c'est mon ami, alors ça vaut 259 francs. Il est là, vous l'avez pas fini celui-là. Là. Une paire de balais d'essuie-glace. Ah oui, bah ça, c'est génial, il en a besoin. 98 francs. Oui. Une lampe de poche, une montre homme. La lampe de poche, 155 francs. La montre homme, 5000 francs. Vincent, arrête de lui montrer où sont les stickers. Un appareil photo. Mais il va tout trouver. Terminé. L'appareil photo, c'est un magnifique appareil photo. Alors, jetable de 85 francs. Alors, ça fait 1, ça fait 2, 3, 4, 5... 5, celui qui est tombé, 6, le caméscope, 7, l'autoradio, 8, la housse, 9 cadeaux qui représentent un total de... Tenez-vous bien, 26 000 francs! Ne m'approchez pas avec vos mains, vous. Ne m'approchez pas. Ne va. Golden Eyes,
Et le caméscope que vous avez gagné, il est étanche. Ça, c'est le poste de télé avec la télé. Ça, c'est le rénovateur, ça, vous l'avez pas gagné. Le pareil photo, vous l'avez gagné. La maglite, vous l'avez gagné. Le téléphone portable, vous l'avez pas gagné. La montre, vous l'avez gagné. La housse, vous l'avez gagné. Mais il y en a pour combien? Eh bien, il y en avait pour 26 000 francs de cadeaux. 26 000 francs de cadeaux, qu'est-ce qu'on fait? On les garde ou on les échange contre le rideau? Ouais, je prends le rideau. Vous prenez le rideau? Je prends le rideau, ouais. Vous gardez pas le radio télé? Non, je préfère être le caméscope gonflable? Non, rideau? Non, je prends le rideau. Rideau! Bien joué, vous aimez l'entretien de voiture. Vous avez gagné ce formidable aspirateur de voiture d'une valeur de 179 francs. Ça, c'est bien fait. Vous aviez 26 000 francs. Oh, vous avez tout rejoué. Le gars, c'est pas bon. Mais moi, je les garde, les 26 000 balles. Et lui, il a les boules avec ses 179 francs. Eh bien, tant pis. Il a perdu deux patates. Ah, on peut le dire, là. Il y a des, des jours où à la télévision, on a le droit de dire des gros mots. Et là, vraiment, on peut dire c'est con, hein. Allez, voilà. Allez, on se retrouve tout à l'heure au Big Deal. Merci beaucoup. Lynn, s'il te plaît, ramène la voiture. Mais si vous pouvez éviter de vous casser la gueule dans les escaliers. Vas-y, mes mères, vas-y. Oh, j'adore cette chanson. Lâche le frein! Lâche le frein et l'aile! Recule sur le ralenti! Et que le rideau se ferme et qu'il disparaisse à jamais! On enchaîne avec le jeu de billes, Annick. Jeu de billes, jeu débile, ne fais pas de billes, car sur le débile. Bonsoir Annick. Bonjour Vincent. Soyez la bienvenue dans notre humble studio. Puis-je vous baiser la joue? Vous allez bien? Très bien. Annick, je vous présente Bill Annick. Bonjour Annick. Bonjour Je suis ravi de vous recevoir. Que faites-vous dans la vie, Annick? Commercial. Vous êtes commercial. Vous êtes marié? Oui. Vous avez des enfants? Deux enfants, deux petits-enfants. Ah, déjà grand-mère? Oui. Vous faites une jeune grand-mère. Ils ont bien de la chance. Fille de 10 ans. Si, 42 ans, c'est une. C'est ça, c'est voilà. Un bel âge, c'est parfait. Une grand-mère. C'est... Oui. 42 ans, c'est FA. Oui. Vous êtes dans quel coin de la France? Bonneuil-sur-Marne, 94. Bonneuil-sur-Marne, très bien. Vous connaissez le principe du jeu de Bill? Je connais. Si vous arrivez à découvrir ce que Bill nous propose, eh bien, d'entrée, c'est 8 000, puis 7, puis 6, puis 5, puis 4, puis après, plus rien. Annick, je vous prie de bien vouloir mettre le casque sur vos oreilles. Et Bill va nous dire ce de quoi il se retourne. Hop. Eh bien, aujourd'hui, ce de quoi il se retourne, il faut découvrir, chère Monique, cher Vincent, mes amis, un animal. Vivant. Oh, complètement. Très bien. Allez, on t'écoute. Coucou. Venez. Coucou. Alors, premier indice. Une île au nord d'Haïti porte mon nom. Au nord de Tahiti ou de Haïti? D'Haïti. Haïti. Non, rien. Ça vous donne rien pour l'instant? Non. On continue? Oui. Indice suivant, Bill, s'il te plaît. Ben, pas de problème. Vous, petite fille. Petite fille. Oh, ben, fais de la scuba, mes mères. Deuxième indice. Je peux être terrestre ou aquatique. Ah! La tortue. La tortue. C'est oui, extraordinaire. L'île de la tortue, bien sûr. C'est mais ça. Oui, c'est la bonne réponse, oui. Monique. 7000 francs, Monique, bien joué. Très joliment trouvé. Enlevez votre casque, Monique. Bravo. Là, vous m'avez surpris. C'est vrai, l'île de la tortue. Peur, oui. Vous connaissiez? Vous connaissez l'île de la tortue? Oui, bien sûr. Vous avez été sur l'île de... Oh non. Vous en avez entendu parler? J'aurais aimé, mais non. Oh, mais attendez. Hey, allez savoir si d'un coup, on va vous envoyer là-bas. Comme le capitaine Cook vous faire bouffer sur l'île Sandwich par une tortue. Bien, Annick, vous avez gagné 7000 francs. Vous avez la possibilité d'échanger ce gain contre une surprise derrière le rideau ou une deuxième surprise derrière l'écran. Où vous pouvez également garder vos 7000 francs. Je sais pas où est mon mari ici. On cherche le... Voilà, votre époux est là. Alors, je fais quoi? Alors, on fait quoi? Alors, lui... On prend le rideau? Non, il dit, fais non. Ce que tu veux. Ah ouais. Voilà, démerde-toi. Voilà, c'est ça. Toi, c'est ça, voilà. C'est ça. Je traduis pour les téléspectateurs c'est qui bien... n'ont peut-être pas le décodeur. Oh, je sais pas, mais je préfère les garder. C'est vrai, mais vous avez tout à fait raison. Je et moi, j'ai le plus grand respect pour les gens qui gardent ce qu'ils ont. Non, parce que...
Bon, d'un côté, il y a les bonbons, hein. Oui, et puis de l'autre côté, sais, il y a un voyage, généralement, mais là... Oui, non, moi, je les garde. On je les garde? Ça très bien. On les garde? Regardez ce qu'il y avait derrière le rideau, Annick. Regardez ce beau voyage. C'est une chaîne Hi-Fi stéréo d'une valeur de 6 990 francs. Ouais, ouais, bon, ben d'accord, hein, une non, chaîne stéréo... C'est bien, mais vous en avez une, vous savez de quoi écouter de la musique chez vous. Voilà. Bien, alors on ne regrette rien et on regarde ce qu'il y a dans l'écran. Derrière l'écran, il y avait Monique pour vous, mais vous ne les aurez pas, car vous avez fait le bon choix, les bonbons de Bill. Très bien. Annick, on se retrouve tout à l'heure au Big Deal. Vous passez par l'escalier. Merci de votre gentillesse. À bientôt. On enchaîne avec notre dernier deal. Et avant cela, eh bien, il y a quelqu'un au téléphone. Allez, je vais faire un gag très drôle, vous allez voir. À l'huile ? Allô ? Eh oui, ça fait rire la dame. Allô ? Allô ? Ça va bien ? Oui, très bien. Bien, alors, vous connaissez le principe du jeu ? Oui, tout à fait. Donc, vous avez droit à une question pour trouver le c'est quoi donc ? D'accord. Alors, allez-y, posez votre question. En fait, je n'ai pas... Oui, excusez-moi, c'est Jean-Pierre Foucault sur RTL. Et donc, vous avez, votre numéro de téléphone a été tiré par un huissier, maître Jean-Louis Riquel. Et c'est le séquadon, donc une question pour le séquadon. Mais quel genre de... Il n'y a pas nommé, vous posez une question, puis c'est tout. Non, je plaisante, rappelez-moi votre prénom. Nicole. Nicole, c'est Vincent Lagaffe du Big Deal et je vous fais marcher, ça va bien? Oh, c'est parfait. Vous n'avez pas marché, vous avez couru, hein. Très bien. Alors, le jeu est très simple, il faut dire un gros mot. Ah non, je n'en dis jamais. Ah ben, alors là, ça, donc, vous avez perdu. Ah ben, tant pis, qu'est-ce que vous voulez? Bah, même un petit gros mot. Un petit? Ouais, un petit gros mot. Merde! Ouais! C'est Hélène, ma fille. Hein. Ah ouais, ah ouais. Hélène. Elle a osé, mais pas moi. Hélène, on en veut un autre! Allez, tu en mets un autre. Non, arrêtez, il y a des enfants. Donc là, pour l'instant, vous avez gagné 7000 francs. Après la pub, vous aurez la possibilité de garder ces 7000 francs ou de les échanger contre le rideau. En attendant, je vous propose de nous séparer quelques instants. Et comme disait notre ami Morandini, ne zappez pas. Pub. Alors, vraiment, hein, super. Hein. Il est 8h moins, je sais pas l'heure exacte, mais il est quasiment 8h moins 10. Notre ami va nous inventer les actualités dans quelques instants. En attendant, je vous propose de danser autour du monde. Mais avant toute chose, eh bien, nous avons la mère d'Hélène qui connaît pas mal de gros mots d'ailleurs, c'est ainsi. Allô? Allô? Oui. Alors, vous avez une réponse pour le c'est quoi donc? Oh ben, je vais garder la somme. Parce que, en fait, pourquoi elle est déjà coquette comme somme, donc je vais être prudente comme la dame. Attendez, Marne la coquette, c'est pas dans la somme. Qu'est-ce que vous me faites là? Rappelez-moi votre prénom. Nicole. Ah non, on avait Robert alors au téléphone. Allô, Nicole? Nicole, oui. Donc la greffe a pris. Nicole, regardez ce qu'il y avait derrière le rideau. Là là là, dommage, vous avez perdu. Ce téléphone répondeur sans fil d'une valeur de 1490 francs. Un téléphone sans fil. Vous avez gagné 7000 francs, vous êtes heureuse? Oui, très. Nicole, je vous souhaite plein de bonheur. Au revoir. Au revoir. Je vous disais qu'on allait jouer avec les danses du monde. On va danser, il y a des surprises et c'est Émilie qui s'y colle. Émilie! Bonsoir, Émilie. Bonsoir. Ça va bien? Bill? Émilie, Bill. Bill, bonsoir, Émilie. Bill. Émilie, vous êtes très jolie. Émilie, quand je dis votre nom, c'est une mélodie. Merci. Et tu sais que le virus, hein, quand il veut s'y mettre... Donc, vous êtes fiancée. Mm-hmm. Vous aimez danser. Oui. Mais malheureusement, votre fiancé est un bien piètre danseur. C'est vrai. Hein, on sait tout, vous voyez. Alors, on a décidé de vous faire jouer avec les danses du monde. Mm-hmm. Et il va falloir reconnaître le pays ou la nature ou la musique de la danse que nous allons vous faire oyer. D'accord. Allez, on se recule un petit peu et on accueille le tour du monde de la danse. Vous
avancez-moi, avancez-moi. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau, Vincent. C'est beau, hein? Oh oui. Oh, c'est beau. Comme vous pouvez le constater, quatre cabines renferment chacune un danseur qui sera capable de danser la danse qui correspondra à la musique que vous aurez entendue. Oui. Ensuite, ce sera à vous de donner, un, le nom de cette musique, et deux, le pays d'origine de cette musique. Bill, on fait gagner combien par danse ? Eh bien, écoute, à chaque fois que la belle Émilie reconnaîtra la bonne mélodie, je lui donnerai 2500 francs. D'accord. Mais, car je sais que vous aimez danser, il n'est pas question de vous donner les 2500 francs par musique découverte si vous ne dansez pas cette danse avec notre danseur professionnel. D'accord. Chochon, on t'écoute quand tu veux. C'est la musique du pays, ça. Vous l'avez pas retrouvé? Non. Malheureusement, là, le gong a sonné. C'était la boulée, mon Dieu. La boulée aux vignettes. Eh ouais, normalement, on devrait avoir ici un danseur de bourrée. Je vous en prie, donnez-vous la peine. Quel est votre prénom? Christophe. Christophe, merci. Attention, un micro qui vole, hein. Et on est parti. Oui, on va l'accepter parce qu'elle allait le dire quand j'ai dit c'est fini. C'est les castagnettes. Qu'est-ce qu'elle allait dire? Mais qu'est-ce qu'elle allait dire? Ah, vous dites les castagnettas? Non, les castagnettes, Espagne. Ouais. C'est pas une danse, les castagnettes, c'est un instrument de musique. Oui. La danse, en Espagne, on danse el flamenco. Oui, mais Vincent. Oui. Vincent, elle a trouvé Espagne. Hein, elle est jolie. Hein, alors on lui donne. D'accord. Merci, Bill. C'est toi l'arbitre, Bill. Et nous avons ici notre danseur flamenco, Rémi. Rémi, c'est ça? Soyez le bienvenu. Alors, bien évidemment, vous êtes à même de faire gagner 2500 francs à notre amie Émilie. Musique. Ouais! Bravo! Merci beaucoup, Rémi. Bon, Émilie, on y arrive, hein? 2500 francs. Chochon. Qui? Mais juste attends, j'ai failli annuler l'épreuve, tu ouais, sais. Ouais, mais c'est bon quand même, là, Sirtaki. Oui, c'est bon, bien sûr, c'est accordé. Le Sirtaki qui vient de... Grèce. De la Grèce, le Sirtaki. Soyez le bienvenu. Bonsoir. Quel est votre prénom? Théo. Théo, vous êtes grec? Oui, je suis grec. Très bien. Théo, je vous propose d'initier notre amie Émilie au Sirtaki. Voilà, je vous en prie, mettez-vous à côté. Ça avait un grand pantalon. Allez, musique! Bravo! Bravo, merci beaucoup. 5 000 francs. Bien. Bon, la dernière, elle est facile, mais encore une fois, je vous rappelle qu'il faut absolument danser avec le danseur pour concrétiser. Donc là, on a 5 000 francs. Allez, la dernière. La valse. La valse de... Vienne. En... En. En. La Vienne, c'est... Vienne, c'est en... Corse. C'est en... Dans quel pays? Autriche. Ah ben, oui, la valse de Vienne en Autriche. Donc elle est là. Bien, alors, on a un danseur de valse. Est-ce que vous savez danser la valse? Non. Vous savez pas bien la danser parce qu'on a un danseur de valse qui est exceptionnel. Mesdames et messieurs, voici notre danseur de valse.
Oui, là, il y a un peu de surprise parce que... Bonsoir. Rappelez-moi votre prénom. Fabien. Fabien est l'époux d'Émilie. Et Émilie ne savait pas du tout que Fabien allait être sur le plateau. Et Fabien est le plus mauvais danseur de vals du monde. Ah oui. Alors... Vous n'êtes pas au bout de vos surprises, vous, hein? Non. Ça surprend, hein? Oui. Alors, Émilie, vous êtes à 5000 francs. Si vous arrivez à danser une valse avec Julien... Fabien. C'est bien. Vous remportez 7500 francs. Mm-hmm. Maintenant, si vous pensez qu'il est totalement incapable de danser une valse, vous laissez tout tomber et vous prenez ce qu'il y a derrière le rideau. Mais ce serait dommage de ne pas danser une valse devant la France entière. Il faut s'entraîner. Ouais, tu sais que demain, pour aller chercher des fleurs chez le fleuriste... On danse? Waouh, vous avez vu danser! Je sais pas quoi. Non, c'était pas moi, c'est pas moi. On essaye? On va s'entraîner. Allez, je vous en prie, mettez-vous au milieu. Vous risquez d'être surpris. Oui, ça. Musique! Vas-y. Là. Là. C'est toi qui m'en tiens. Voilà. Oh là là, il est mauvais danseur, lui. Voilà. T'as vu le patron que c'est? Non, c'est toi qui me suis. Serré. Là. Là. Oh là, mais il danse bien, Vincent. Regarde-le. Oh mon Dieu. Bah, dis donc, bravo, hein, Émilie. Bravo. Bravo, Fabien. Ça surprend, hein. Et il a fait des progrès. Oui. Il a fait des progrès. Parce que vous savez, nous, on est capables de tout pour ici. Hein. Regardez, Vincent, j'ai pas... Oui. Pour l'aider quand même. Oui. C'était pas sa spécialité. Sa spécialité, c'est le rock. Moi, nul. Ah ouais, bah moi aussi, ça tombe bien. Venez voir. Excusez-moi. Venez voir. Parce que exprès pour le big deal, regardez ce que Fabien a fait pendant 3 mois. Dans le plus grand secret, pour vous faire la surprise, il a passé 3 mois à apprendre à danser la valse. Alors, on nous a dit que vous aviez eu un bon contact avec la danseuse et que justement... Oui, on se voit encore. Ok. Demain soir. Bon, alors tiens, voilà. Ça surprend, hein? Oui. C'est émouvant un petit peu quand même. Hein. Bien, vous avez gagné 7500 francs. Qu'est-ce que vous faites de ces 7500 francs? Vous les mettez sur l'oreille ou vous prenez le rideau? Un rideau. On prend le rideau! Eh bien, vous l'avez gagné, cette merveilleuse télé 16e, d'une valeur de 9 998 francs. Une petite annonce de Bill et on envoie le big deal. Allez, je vais mouiller. Eh oui, parce qu'on est sur le big deal et c'est pas débile grâce à Bill, l'extraterrestre. Débile. Eh oui, je voudrais vous dire que les finalistes du big deal ont d'ores et déjà gagné un abonnement de 1 an. 1 an. Oh, oh, il est là, le magazine Télé Loisirs avec une couverture. Oh. Et maintenant, mesdames et messieurs, il reprend tout en main car c'est son pouvoir. Il va lancer le big deal car c'est son don. Le formidable, l'extraordinaire Vincent Lacoste. Le big deal. Et voici maintenant le big deal avec en première position Valérie, 37 250 francs grâce à un bâton d'enfer. Hervé est deuxième avec 19 526 francs. Ensuite, Émilie avec la télé 16e et ses cours de danse, 9 990 francs. Annick est quatrième avec 7000 francs. Et Didier, lui, a joué la sécurité car de 26 000, il passe à 179 francs. Dernière position. Bien, Valérie. Vous avez gagné Un Zodiac, avec sa remorque et tout, le moteur et tout le machin. Ben, je le garde, je laisse... Ouais, et vous verrez qu'avec 30 chevaux, on peut faire du ski nautique. Oui. Oui, enfin souvent, c'est le skieur qui tire le bateau. Hein. D'accord. Merci d'avoir participé. On enchaîne avec notre électricien. Hervé. Qui a gagné, Hervé? Un ordinateur portable, une télé. Ouais, enfin pas mal. 19 000 francs de cadeau. Je vais laisser une chance à Didier. C'est très sympathique. Merci beaucoup. Émilie a gagné une télé à une patate. On souhaiterait tenter. Vous souhaitez tenter? Oui. Eh bien, tenter. Eh bien, on est parti pour le big deal? Oui. Allez, Annick, je suis désolé. Ah non, vous n'êtes pas triste du tout? Je laissais ma place. Vous auriez laissé votre place à... Non, mais lui, il est content avec son aspirateur. faut qu'il finisse ma bagnole. Non. Merci d'avoir participé. Merci, tous les deux, vous repartez par les escaliers. Et à très bientôt. Merci, Annick. Merci beaucoup. Au revoir. Passez de l'autre côté, vous deux. Restez avec nous. Venez là. 3 billettes. Une rose, une jaune, une bleue. Laquelle choisissez-vous? La jaune. Vous choisissez la jaune.
Ok. Regardez ce qu'il y avait derrière la bleue. Derrière la binette bleue se tenait, mon Dieu, que de suspense! Se tenait un lecteur de mini-disques d'une valeur de 12 000 francs. Eh, quand même, hein, quand bon. Même. Hein, on reste sur la jaune? On reste sur la jaune. La jaune! Derrière la binette jaune, vous avez gagné, je suis heureux de vous le dire, une scie, la scie de Bill, d'une valeur de 96 francs. Ah ben voilà, j'ai gagné la voiture, moi. La voilà la voiture, elle valait 73 600 francs, Vincent. Cette patate. C'est deux. C'est bien de prendre comme ça. Oui. En attendant, vous avez découvert que, malgré tout, dans votre dos, il est capable de faire des trucs. Attendez. Merci à toute l'équipe. C'est très gentil à vous. Merci d'avoir participé. Merci d'être resté si simple. Et merci de vous être prêté au jeu pendant 3 mois. Bravo. Valérie, vous revenez quand vous voulez. Amis et Christian, revenez quand vous voulez. On vous souhaite à tous une excellente soirée. On vous dit ciao, bye bye. Moi, il faut que je file parce que j'ai rendez-vous avec Claudia Schiffer et Kim Basinger. Et je voudrais vraiment pas les faire attendre. Je vous embrasse. Salut, à bientôt. Ciao, bye bye. Oh, mes amis terriens, qu'est-ce que je fais bien, je suis dans l'eau. Je vous rappelle que vous pouvez gagner 30 000 francs grâce au magazine Télé Loisirs. Elle est très très bonne, l'eau. Vous devriez venir vous mettre... Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, c'est une jolie bébête, ça, mon Dieu. Je vous donne tout de suite l'indice. Je possède un bec et une hanche. Si vous avez trouvé pour participer au tirage au sort, envoyez très vite votre réponse sur le bulletin Télé Loisirs ou sur papier libre à l'adresse qui est indiquée en dessous de la soucoupe. Oh là là, moi j'ai peur, c'est un requin, j'ai peur. Au revoir, les terriens.